Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fire Emblem Warriors 3 Hope. J'espère que vous allez bien, nous allons continuer ce chapitre dans lequel nous avions tué Byleth. Non, merci Claude, j'ai une grande dette envers vous, nous dit Edelgard. Oui, vous nous devez la vie, mais je suis certain que vous préféreriez que les rôles soient inversés. Cette situation doit vous paraître très désagréable. Que voulez-vous dire? Si votre intention est de vous moquer de moi, elle peut être... Alors peut-être que je ne serais pas disposé à honorer ma dette. Ce n'était qu'une plaisanterie, juste une chose qu'a dit Lawrence. Rien dont votre majesté impériale ne doit se soucier. Plaisanterie mise à part, avez-vous un instant? J'ai beau être impatient de retourner poursuivre nos ennemis, nous devons parler. Si vous insistez, de quoi s'agit-il? La Fédération et l'Empire combattent actuellement ensemble contre le Royaume, mais je n'ai honnêtement aucune envie de voir Fergus en ruine. J'en ai qu'après l'Église centrale. À l'heure actuelle, ne pensez-vous pas que les deux ne font qu'un? J'en suis pas sûr. Lorsque Dimitri a décidé d'accorder l'asile à l'Église centrale, il n'était pas vraiment en position de refuser. S'il l'avait fait, Fergus aurait plongé dans le chaos. Mais et si la situation était différente maintenant? Il est clair que tant qu'il leur offrira refuge, la guerre continuera. En outre, l'Église orientale est de la Fédération et l'Église australe de l'Empire échappent toutes les deux à l'influence de Rhea. L'Église centrale doit sembler un fardeau bien lourd à porter pour Dimitri en ce moment. Et puis, ce n'est pas comme si le Royaume ne pouvait pas compter sur l'Église occidentale. Peut-être. Mais l'archevêque a beaucoup plus d'influence en Fergus que nulle part ailleurs. En admettant que Dimitri ait changé d'avis, je doute que son entourage voit cela d'un bon œil. Le royaume n'a pas encore montré la moindre intention de rompre ses liens avec l'Église centrale et continue de lui offrir son soutien à l'heure actuelle. Ce n'est qu'une théorie, plutôt une pure spéculation. Mais et si Dimitri avait essayé de prendre Garegmak pour se distancer de l'Église? Le fait de faciliter le retour de Rhea à Garegmak pourrait être une façon pour lui de préparer le terrain à une scission. C'est une théorie intéressante. Avez-vous des preuves pour la soutenir? Pas vraiment, mais c'est l'impression que j'ai eue en voyant Dimitri sur le champ de bataille. Pour être honnête, cette idée vient juste de me traverser l'esprit. Nous étions tellement décidés à éliminer Rhea au cours de cette bataille que nous n'avons pas réfléchi une seconde aux motivations de Dimitri. Je vois. Vous auriez eu une décision difficile à prendre si vous aviez eu cette idée plus tôt, à savoir s'il fallait me laisser mourir ou non. Après tout, le choix le plus opportun aurait été de m'abandonner si l'Église centrale quitte vraiment le royaume pour revenir ici. Oh, allons, Edelgard, ce n'est pas parce que nous avons eu des différends que je souhaite votre mort. Oui. Je suis heureuse de vous l'entendre dire, même si c'est un mensonge. C'est pas un mensonge, vous me blessez, c'est la pure vérité, sincèrement. Bah oui, Edelgard, on t'apprécie, nous. Si vous le dites, peu importe. Continuez à agir comme il vous plaira. Et je ferai tout mon possible pour mettre un terme à cette guerre. Entendu. Mettons fin à cette guerre. Pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Je vais poursuivre l'armée du royaume vers l'ouest, conquérir Arianrhod et prendre contrôle de Fergus. Moi, j'irai au nord à la poursuite des chevaliers de Seiros. Je vaincrai Rhea et dissoudrai l'Église centrale, espérant que nous continuerons à avancer côte à côte. Mais ne bute pas Dimitri, hein. Et n'oubliez pas que vous avez une dette envers moi pour aujourd'hui. Si nos routes venaient à se croiser, je m'attends à voir cette dette honorée. Hop. Fournaise dorée, le champ des commencements. Le champ des commencements. Est-ce qu'on retourne sur la plaine de l'Aigle et du Lion? La Fédération tire l'armée impériale de ce mauvais pas, et ensemble, elles poursuivent les forces du royaume et de l'Église. Mais Claude n'a qu'un seul but, éliminer l'archevêque Rhea. Pendant qu'Edelgard lutte contre l'armée royale, Claude et ses troupes poursuivent l'Église jusqu'à la plaine de Tailtin, où Seiros et Nemesis s'affrontèrent jadis. Ah non, c'est pas celle-ci, du coup. C'est... Canyon Rouge. Si je ne dis pas de bêtises. Les terres du royaume ne sont plus très loin. Une fois de la frontière franchie, nous traverserons la plaine de Tailtin et marcherons sur Firdiad. La plaine de Tailtin est la plus grande de tout Fergus. C'est aussi là qu'eut lieu une célèbre bataille il y a bien longtemps. Nous voyagerons par la terre, non par la mer cette fois. Je dois avouer que je préfère ça. Nous avons peut-être fait un détour important, mais nous marcherons à nouveau sur la capitale du royaume. Claude, ne croyez-vous pas qu'il serait plus prudent de demander l'assistance de l'armée impériale? Ils ont une dette envers nous depuis la dernière bataille. L'armée impériale poursuit l'armée du royaume vers l'ouest. Ils ne doivent pas être loin d'Arianrhod. La plupart des forces du royaume se sont réunies à l'ouest également. Hera et ses troupes sont les seules à avoir fui vers le nord. Je ne comprends pas, bien sûr. Il est logique que le royaume renforce sa position sur le front ouest puisqu'il perd du terrain là-bas. Mais le roi de Fergus abandonne-t-il vraiment la défense de sa principale ville et de l'église? Je ne prétends pas savoir quelles sont ses intentions, mais je soupçonne Dimitri d'avoir décidé de me laisser me charger du reste.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pour quelle raison le roi d'un territoire ennemi vous ferait-il confiance? Je crois comprendre. Dimitri compte sur Claude pour dissoudre l'église centrale, évidemment. L'église centrale est devenue une pierre au cou du royaume. Dimitri espère probablement que Claude l'en débarrassera. Êtes-vous en train de dire que le roi souhaite éviter de rompre formellement les liens avec l'église centrale et qu'il se sert de nous pour provoquer sa disparition? J'ai entendu dire que l'église centrale avait aidé le royaume lorsque la guerre civile a éclaté. Dimitri sent peut-être qu'il a une dette envers l'archevêque et ses valeurs chevaleresques lui interdisent de s'opposer à elle directement. Mais c'est... Non, je suppose que c'est dans la nature de la guerre. Bien sûr, les trahisons, c'est cool. Mais il y a plus que ça. Le royaume et l'église ont une longue histoire commune. Autant de raisons pour lesquelles le roi ne peut pas la trahir. Il y a longtemps, le héros Lung von Bladid élimina l'empereur d'Adrestia de l'époque. En fait, leur bataille eut lieu sur la plaine de Tailtin, que nous sommes sur le point de traverser. L'église joua l'arbitre dans ce conflit et reconnut l'indépendance de la maison Bladid, ce qui mena à la fondation du Saint Royaume de Fergus. C'est de là que vient l'adjectif Saint de Laurent, comme vous ne l'aurez sans doute deviné. Pas du tout. Abandonner l'église reviendrait donc à tourner le dos à ceux à qui ils doivent leur indépendance. Et c'est pour cette raison que Dimitri veut que la récente fédération de Leicester fasse le sale boulot et abolisse l'église à sa place. Ils ont juste changé leur maître, hein, parce que si c'est du coup ils sont plus indépendants par rapport à l'église, ils sont dépendants quand même. C'est ce que je suppose, mais nous n'avons que faire de ces raisons, puisque notre objectif est justement de nous débarrasser de l'église. Parfait, ça coïncide. Pour notre bien et celui du monde libre à venir, nous allons dissoudre l'église centrale et nous débarrasser de Rhea. Vous pouvez compter là-dessus, et s'ils s'enfuient pour Firdiad, nous n'aurons qu'à conquérir la capitale pour les atteindre. Ah, voilà qui me plaît. Il est temps d'écrire une nouvelle page de notre histoire. En avant tout le monde. Nous sommes là, je suppose que ça va être tout en haut à milieu, voilà. Hop. Aime ne pas avoir faim. Chaise, sérieusement. Ne soyez pas timide, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à parler. Alors, accroît légèrement les chances d'une unité gagnant technique, légèrement les chances d'une unité gagnant défense, légèrement chances d'une unité gagnant charme. C'est bien ça. Parce que le charme, c'est l'esquive. Alors, c'est entendu, que tout le monde se prépare. Je suis pas sûr que ça change grand chose pour le coup. Parce que ça risque de pas gagner beaucoup de niveau. Mais... Nouveau dialogue de soutien disponible. Parfait, ça. Avec qui? Je suppose avec Claude, non? Pas du tout. Lynn Hart et Bernadetta. Ah, bah oui, c'est eux qui ont gagné des. C'est eux qui ont gagné un niveau, non? De soutien. Je me sens lasse. Il faut que je trouve un coin agréable pour ma prochaine sieste. Bernadetta, que faites-vous assis tapis dans l'herbe? Rien du tout. J'essaie de ne pas déranger deux amoureux, voilà ce que je fais. Il n'y a personne. Ah, je vois. Il n'a pas vu là. Oui, moi aussi je vois. J'étais en train de me promener quand je les ai aperçus. Un homme et une femme dans les bois. Et ça chauffait entre eux. D'après ce que je vois, aucun d'eux n'est encore mort. C'est un rendez-vous galant, tête de pioche, pas une dispute. Bref, que faisiez-vous recroquevillé comme un laporeux apeuré? Ne vous menace pas, il profite d'un moment d'intimité. Je me cache, voilà ce que je fais. J'interromps leur activité, ils voudront se venger. Détendez-vous, à leurs yeux, vous êtes aussi invisible qu'un vulgaire galet. Alors, c'est peut-être pas la meilleure façon de le dire. Quoi? Un galet? Moi? Bon, c'est vrai, il m'arrive de souhaiter en être un, mais... Sérieusement? En ce cas, roulez, galez, et sortez-vous de là discrètement. Roulez, galez. Mais oui! Attendez, non, mais ils vont me voir. Vous voulez me faire tuer ou quoi? Ils ont fait un boucan de tous les diables, ils n'ont rien remarqué. Gageons qu'ils sont de leur petite bulle. Qu'il est beau de les voir échanger des mots d'amour alors qu'ils pourraient mourir demain. Ah putain, Lynn Hart! Mais la joie de vivre du mec! Commencer à mourir demain. Ce sont des soldats, ils se battent au front, ils ne donnent pas cher de leur vie. Non, je ne vous crois pas. Les couples qui se jurent un amour éternel et défient le destin, c'est la base de tous les classiques de littérature. Certes, mais les plus belles histoires sont celles qui ne se produisent pas dans la réalité, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Mais il existe des tas d'histoires dans lesquelles deux amants se perdent définitivement de nous. Probablement parce que cela fait écho au vécu des gens. Bon, mais alors qu'est-ce que ce sera? Je pense que ces deux-là peuvent connaître le bonheur, pas vous? Alors, je leur souhaite, mais la réalité est cruelle. Enfin, j'ai tellement parlé que je m'endors.
Oh putain, Linhart. Ah, mais non, vous ne pouvez pas roupiller ici. Putain, il s'est vraiment écroulé de fatigue là, mais il y a un problème. Hein. Oh, oh, il faut mieux de rentrer, de tenter le coup du galet qui roule discrètement. Oh putain, Bernadetta. Bernadetta et Linhart, c'est vraiment. Vraiment. Là, on a là. On a du niveau. Oh là là, on a du vrai niveau. Linhart, c'est tout ce que je veux. Ça y est, tout le monde a compris quel était le plan de Claude. Bien que je sois un ancien général de l'Empire, les gens commencent à se montrer un peu plus respectueux envers moi. Sauf que maintenant, ils m'abordent et me parlent à tout bout de champ. Je ne suis plus un noble, alors je ne comprends pas ce qu'ils me veulent. Je lui demandais s'il pouvait de retourner à l'Empire le consoler. On va le consoler, lui demander s'il prévoit de retourner dans l'Empire. Ben non, pourquoi? Peut-être, je sais. Les deux ne me vont pas. Vous voudriez redevenir noble? Vous venez à l'Empire après tout, j'imagine que vous souhaitez rentrer chez vous. Absolument pas, je ne tiens ni à hériter d'un titre, ni à endosser ce genre de responsabilité. Ça, j'en étais sûr, c'est pour ça. Tout ce à quoi j'aspire, c'est un monde de paix dans lequel je pourrais faire la sieste à loisir, c'est tout. Le consoler de quoi, en fait? Mais c'est qu'il y a plein de décorations au restaurant maintenant, c'est incroyable. Quelque chose me tracasse, vous avez bien vaincu le démon cendré pendant la dernière grande bataille, pas vrai? Pourtant, je me rappelle pas avoir vu d'autres guerriers faisant partie des mercenaires de Geralt. Peut-être que leur groupe a été dissous, ce serait triste. Bah ouais, on a buté Geralt en même temps. Si l'archevêque Rhea a été éliminé, Foldan et Brigide ont-ils une possibilité de se rapprocher? En même temps, Brigide n'a d'autres alliés que l'Église et l'Empire. Elle a peur que... Bah, évidemment qu'il y a une possibilité de se rapprocher. Si le plan de Claude se déroule comme prévu, vous pourrez aussi nouer des liens avec le Royaume et la Fédération. Oui, c'est ce que je souhaite. J'ai l'espoir que nous y arriverons. On va espérer. Je ne peux pas sprinter. Si, c'est avec B. Je n'ai jamais réussi à appréhender la foi en tant que concept. Il m'est donc difficile de comprendre ce qui motive les fidèles de l'archevêque. En même temps, Eddie et Claude ont aussi la confiance de leur peuple. De cette manière, c'est un peu la même chose. Et voilà que deux fois s'opposent, je ne peux pas croire que la déesse ait quoi que ce soit à voir avec ce conflit. Ben ça dépend. Sotis, elle était là, hein. Au contraire, vous avez raison. Non, non, la déesse, elle sert à rien. Non, effectivement, même si elle était impliquée, je ne pense pas qu'elle interviendrait directement. Uh-huh. Voilà, très franchement, je préférais qu'elle reste en dehors de tout ça. Loul. Alors j'appuie sur R, en fait. Parce que bah, dans Fire Emblem Engage, c'est R pour sprint. Et du coup, là, on est dans la même style de phase de gameplay. Mes propres problèmes ne disparaîtront pas comme par magie une fois la guerre terminée. Cela dit, je n'arriverai à rien si nous sommes vaincus. Il faut que je me débrouille pour qu'on s'en sorte. Battons-nous de toutes nos forces pour ne pas avoir de regrets. Qu'en pensez-vous? Mais d'ici, c'est là, tes propres problèmes, c'est que tu vas crever. C'est plus que des problèmes, là. Nous n'avons plus rien à craindre, chaise. Peu importe qui ou... Quoi ou qui tu affrontes, nous pourrons sauver ce monde. Maintenant, partons, et nous battrons jusqu'au bout. Reste encore un ici. C'est déjà parlé, toi. Ah, c'est évidemment que c'est... Évidemment que c'est Raphaël. Je sais qu'il est un peu tard pour évoquer le sujet, mais cette façon de se battre ne me convient pas. J'imagine que vous êtes du même avis. Allez, vous pouvez bien me le dire. Non, désolé. Me le demande. J'ai l'impression qu'ici, tout le monde m'accepte tel que je suis. Que demander de plus? Bah, qui pourrait se permettre de faire la fine bouche quand on voit ce que vous allez faire? Ce que vous savez faire, non, c'est pas de ça que je parle. Mais alors quel est le problème? On se bat du matin au soir, jamais une petite fête. Allez, alors que d'habitude, Claude n'est pas le dernier pour ce qui est de s'amuser. Dès que cette bataille sera terminée, je vais le tanner pour qu'il donne un grand banquet, avec du porc, de la volaille et des quartiers de moutons en moi. Mouse costaud. Ouais. Va te calmer, Raphaël. Va te calmer. Tout de suite. Pas là pour faire la fête, mais la guerre. Parce que faites la fête, pas la guerre. En fait, la guerre, pas la fête. Il n'est pas exagéré de dire que l'histoire de Foldan a toujours été liée à celle de l'Église centrale. Mais nous mettons un terme à cette relation et montrerons à tous qu'il est possible de vivre autrement. Il est possible que je ploie sous le poids d'une telle responsabilité. N'est-ce pas ainsi que vous ressentez la chose? Le poids, quel poids? Allez, on va dire que vous... Oh oui, maintenant que vous le dites, c'est là une responsabilité écrasante. Ça n'a pourtant pas l'air de vous bouleverser, vous pourriez prendre cette tâche un peu plus à cœur. Vous avez beau n'être qu'un mercenaire, vous devez prendre les choses en main. Ce sont les gens comme vous et nous, les nobles, qui définiront la nouvelle ère. Bah oui, nous ne sommes qu'un mercenaire. Putain, bien que je n'ai aucunement l'intention de quitter la scène historique, car après tout, je suis le seul et l'unique Lorenz et l'âme Gloucester. Ha ha ha! Ha ha ha! Je n'aime pas Lorenz. Il nous prend de haut parce que c'est un noble. Comprenez? C'est un noble, monsieur.
Alors qui sert à rien. Tôt ou tard, Edelgard et Dimitri finiront par s'entre déchirer. Il faut que nous portions un coup fatal à l'église centrale avant d'en arriver là. Je suis persuadé que cela mettra un terme à la guerre. Et même si ce n'est pas le cas, je m'occuperai personnellement du cas de ces têtes de mule pour leur faire tourner la page. Ah bah oui. Ne faites pas tuer Dimitri, je pleurerai toutes les larmes de mon cœur. De mon corps et de mon cœur, c'est un mélange. Réjouissez-vous, chaise, mon frère arrive en renfort. Mon cher frère ici présent m'a dit que la bataille ultime se préparait, alors j'ai rappliqué en vitesse. J'en ai même parlé au roi, et cette fois, bon, j'avoue avoir quelque peu déformé la vérité. Un général admire roi, a joué de me prêter main forte dans la bataille qui décidera du sort de Folblanc. N'est-ce pas un bel avant-goût de l'avenir que sa majesté souhaite faire naître? Ah, quand la guerre sera derrière nous, je t'emmènerai en Almira. Parfait. Parfait. Est-il vraiment nécessaire de la tuer? J'ai bien compris qu'il fallait nous débarrasser de Rhea, mais est-il vraiment nécessaire de la tuer? Battue, elle pourrait abandonner la partie et se retirer de son propre chef. Ça risque d'être difficile quand même. Hein. Ça risque d'être très difficile. Elle a pas l'air du genre envisageable de l'épargner. Pas du tout. Hein. Non, il faut qu'elle meure. Tant qu'elle sera en vie, elle continuera d'exercer son influence. Bon, je vous fais confiance, puisque vous êtes tous beaucoup plus intelligents que moi. Non, c'est pas une question d'intelligence, Happy. C'est juste que c'est une question de connaissance. On sait que c'est l'Immaculée et que jamais elle ne reculera, jamais elle acceptera que l'église centrale tombe parce qu'elle fait tout pour retrouver Sotis qui est morte. Ça y est, c'est officiel, on a buté Byleth. Donc il n'y a plus aucun intérêt de sa part, à part se venger du coup. Rongé par la vengeance. De toute évidence, Claude va s'efforcer d'en finir le plus rapidement possible avec cette guerre. Vous savez ce que cela signifie? Ah oui. Cela ne me laissera que peu de temps pour me forger une réputation et la restauration de la maison nouvelle pourrait être en être compromise. Je vais donc faire la démonstration de mes immenses pouvoirs magiques, pas plus tard que tout de suite. Bien sûr, Constance. On y croit tous. Reste à l'abri du soleil déjà. C'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, Rhea, jamais elle aurait abandonné, donc on aurait été obligé de la tuer. Si sa majesté avait à choisir entre le sacrifice de l'église centrale et celui du peuple de Ferragus, il sacrifierait l'église même au risque de s'attirer la haine des habitants du royaume. Mais s'il en faut arriver là, je suis persuadé qu'il... En fait, je ne sais pas quoi faire. Et si j'irais d'aller en parler à Claude, lui conseiller de laisser les choses suivre leur cours. Ouais, tu peux aller en parler à Claude. Mais aller parler de tout ça à Claude, il comprendrait sûrement ce que vous ressentez. J'ai été son adversaire, je ne sais pas si je peux me permettre de... Si c'est trop important pour que je me laisse intimider. Merci, Chelsea, je crois que je vais aller lui parler. Je vais faire tout mon possible pour l'aider et payer la dette que j'ai envers lui. Il vient du royaume, le petit H, alors c'est normal. On va éviter de le taper, c'est tout. Enfin, de péter la gueule au royaume. Nous, on veut pas le péter la gueule au royaume. Mon père courait sans but comme un poulet décapité. Je sais que je n'aurais pas dû, mais je n'ai pas pu m'empêcher de m'esclaffer. C'était bien son père, donc. Cela dit, je suis soulagé qu'il ait survécu. J'ai beau le détester de toute mon âme, il reste mon père. Ah, c'est bien. C'est lui, son père, la con, là. C'est bien ce qu'il me semblait qu'elle avait un père de merde, Bernadetta. Cette bataille marquera sûrement un tournant dans l'histoire de Folblanc. La joie me submerge à l'idée de participer à ce glorieux moment. Si je survis, j'aimerais l'immortaliser de mes pinceaux. J'ai le sentiment que cela relève de mon devoir. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire un Fire Emblem Warrior Engage? Ça serait tellement pousser le concept à en péter l'élastique, quoi. Parce que autant Hyrule Warriors, Tears of the Kingdom, là je dis pas non. Je sais pas, après pourquoi pas avoir ses enfants. Hein. Je ne pense pas que Dame Rhea et le chevalier décident de se rendre à Fjordhead. J'ai dans l'idée qu'ils préféreront se battre dans la plaine de Tailteen. Devinez pourquoi. Oui, ils se retrouveraient dans un endroit clos, sans renfort. Ils tiendraient peut-être quelques temps, mais ce serait repousser une défaite inéluctable. Ça fait, et ce n'est pas la seule raison. Jadis, Saint Cyros a déjà vaincu Némésis, le roi de la libération, dans la plaine de Tailteen. S'il rejoue cette bataille, l'église centrale réaffirmera son autorité sur l'ensemble de Folblanc. Je pense que c'est ce que Dame Rhea a en tête. Enfin, ce n'est que mon avis. Moi aussi, je préférerais me battre dans la plaine. Si c'est possible, je ne tiens pas à faire couler le sang dans d'autres villages. Le truc, c'est que ça, de toute façon, ça arrivera pas tout de suite. C'est même peu probable que ça arrive, je ne sais pas. Que ce soit la dernière fois, on ne sait jamais s'il pourrait arriver. J'ai déjà envoyé un enfer bon nombre d'anciens compagnons, mais j'en tuerai sûrement beaucoup plus encore au cours de la prochaine bataille. Je pourrais presque l'entendre me hurler dessus pour mon bien, cela va sans doute. J'aimerais faire en sorte qu'on ne me crie plus dessus, que ce soit la dernière fois, chaise. On va encore buter Catherine, c'est ça? Hop, Ida. J'espère que ça se termine. Il ne reste plus qu'à éliminer Dame Rhea. J'espère que cela suffira à mettre un point final à cette guerre. Oui. Personne ne tient à ce que la guerre s'enlise, tout sera terminé dès qu'on aura éliminé la responsable. Je sais bien que Dame Rhea et l'église sont à l'origine de tout ce malheur, mais je ne peux pas m'empêcher d'être désolé pour eux. Enfin, chaque chose en son temps, nous avons une bataille à gagner en avant. Ça sent être le chapitre final.
mais je ne sais pas, ce n'est pas évident pour moi. Les habitants du royaume ont toujours considéré comme acquise la protection de l'église centrale. Ça m'étonnerait qu'ils s'en détournent facilement, même si nous parvenons à l'éradiquer en même temps que Rhea. Les gens n'accorderont jamais leur confiance à ceux qui l'ont détrôné, quels que soient les efforts consentis par le roi pour apaiser la situation. C'est pas faux. Peut-être, mais c'est le seul moyen de préparer l'avenir que nous appelons de nouveau. Enfin, ce n'est pas le moment de se demander qui participera à cet avenir dont nous rêvons. Bref, inutile de réfléchir à tout ça maintenant, ça ne servira à rien si nous perdons la guerre. Je suis un croyant originaire du royaume, j'éprouve donc des sentiments contradictoires à ce sujet. Mon boulot consiste à être du côté des vainqueurs. Tu es là, toi. Un combat dans la plaine de Taïtin. Désolé, je pensais tout. Cela vous surprendra peut-être, mais je faisais autrefois beaucoup d'affaires à Garagmak, alors je rencontrais les gens de l'église centrale tout le temps, c'est tout. Parfait. Anna est ici. Je vais leur montrer, moi. Nous ne cessons de courir à droite et à gauche pour livrer bataille, mais nous tenons le coup. L'armée de la Fédération est plus motivée que jamais. Nous brûlerons de faire advenir une ère nouvelle en Faudelan. Je vais les tailler en pièces et voilà ce que je vais faire. On te croit. Gardien de porte, il s'en sort bien. Bonjour, commandant. Rien à signaler. Une grande nouvelle, j'ai réussi à aller voir mon petit frère à Garagmak et tout se passe bien pour lui. Quel soulagement d'apprendre qu'il n'était pas du côté adverse. Nous nous sommes souhaités bonne chance et avant de nous séparer. Vivement que cette guerre se termine, tout le monde pourra se retrouver pour passer des bons moments ensemble sans distinction d'origine. Tu as retrouvé ton frère, c'est beau. Hop, nous allons aller sur la carte de guerre, voir ce qu'il s'y passe. Territoire de Galatea, zone Est. Attaquer les chevaliers Pégase. Des Pégases de Galatea cherchent à ralentir l'avancée de l'armée de la Fédération, venez-en à bout, tout en limitant les pertes au maximum. Parfait. On va faire ça. Dans les prochaines minutes, ça devrait le faire. Éliminer la fosse soyeuse et les autres ennemis, la Dame Wyvern étant des routes. Désolé de te le dire, chaise, mais non. Alors, Raphaël est pas si mauvais. Hilda est pas mal. Ah, c'est chaud, hein. On n'a pas de bleu partout. Shamir, tu te fais éclater, hein. Bon, Hilda, c'est clair. Hilda, c'est certain, on la laisse. Linhart, on va le laisser, hein. On va le laisser. Ouais, là, ça, au moins, elle touche personne, quoi. Enfin, elle tape personne. Elle n'est ni désavantagée, ni avantagée. Autant prendre Dorothea dans ce cas-là. Allez. On va combattre comme ça. Faut que nous renforçons les défenses. Les choses se sont mal engagées. La fosse soyeuse avance. Il avoue les troupes de la fosse soyeuse. D'abord tapez-le. Ouais. Tapez celle-là. Hop, parfait. On va ensuite. On va avec tout le monde ici. Hop. On va taper le paladin. On va pouvoir l'éclater assez rapidement. Oh la caméra, s'il te plaît. Oh putain, mais la gerbe. Oh la caméra, c'est vraiment une plaie sur ce jeu. On les reprend comme ça là. C'est vraiment atroce. Elle nous fait quoi là par exemple? Ok, pas météorique. Allez-y. Et tous clamser. Trois d'un coup. Pas mal. C'est vraiment ma faute. Avant sur la Dame Wyvern, ça va pas du tout. Mais celle-là vient d'apparaître, mais celle-là prépare les provisions pour les renforts.
Allons-y, comment ça, allons-y. La boule du messager. Hilda, tu peux y aller? Oh, if I must. J'ai qui d'autre? C'est vraiment pas fou, hein. All right, here I go. Leave this one to me. Allez. All right, here I go. Lend me your strength. On va faire ça. This should be easy if we work together. Pas mal. Ah bah, c'est le petit Raphaël là. Vous avez éclaté. Il a bout de 300 ennemis. Ouais, le Black Kaffi. Raphaël est un petit peu amoureux. Switching it up, huh? Oh. Wow. Les renforts d'amis sont apparus pendant ça. Allez vite. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Dorothea. J'aurais pas le temps. Okay. Messager. Général de Galatea. Je crois que Dorothea elle a carry. Non, il est là-bas. Vite. Ok, il est mort. Parfait. Le messager est dead. C'était chaud. Citoyen. Ah, mais arrête de m'emmerder par contre. Désolé, nous n'étions pas assez forts. Devoir prendre une potion. Allez, Dorothea, t'as pas beaucoup de potions, toi. Faut que je t'en prenne, du coup. Hop. Il y a combien de zombies ? Faut pas tolérer. Allez, faut que j'aille là-haut. Bah, allons-y. Ah oui, mais elle a rien du tout en fait, Dorothea. Elle a même pas de troisième barre ou autre. C'est vraiment naze. Elle a fait les 300 KO là. C'est cool, c'est trop tard. Ta 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 ta. Hop. Arrêtez de me taper s'il vous plaît. Vas-y Dorothea. Non. Ta 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 ta. Je suis cru dans Xenoblade Chronicle 3 pour changer de personnage et appuyer sur les gâchettes. J'ai vaincu le général de Galatea. Parfait. N'en reviens pas que nous ayons pu repousser leur assaut. Niveau terminé. Ouais, là, on a pris trop de dégâts. Les applaudissements me touchent davantage quand je suis sur scène. Au prix de la vie de d'autres soldats. C'est tout. Hop. En récompense de la capture de la zone, vous avez obtenu 8400 de la thune des ressources stratégiques. On va avoir un petit dialogue. I am glad to see que l'on va lire dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé celui-ci. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Le petit teasing est parfait. Et à la prochaine, voilà. Ciao, ciao tout le monde.